vendeur, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à remontrer? On part. Ah ouais, on avait plus de sous. C'est là le problème. J'ai pas mon arme, ok. Bon, soit. On va aller. Qui revient? That sniper thinks she looks fun. How cool! You sure are stuck on fun, huh? Voilà, parce qu'ils ont des PV, c'est derrière une fois. Quand même 2300 PV. Bon, j'aurais aimé que tout le monde attaque de la même cible. Ils ont pas l'air décidés plus que ça, on va pas les comprendre. Bon là ça va, ils sont oubliés. Bon ils sont pas... C'est pas des amis difficiles plus que ça, vous l'avez déjà remarqué. Dans les épisodes d'avant. Et 415 gald et 105 d'XP. Donc là on va être tranquille un petit peu. Oh là là, regardez la zone. Ok, bon, on a au nord et au sud. Sachant que j'ai une petite préférence pour le sud parce qu'il y a deux points verts, donc ça veut dire qu'il y a deux PNJ. S'il y a deux PNJ, c'est bon signe. Val, droit sur les ennemis. Ah, bravo. Bien joué. Ah, là. Bon, ça va, c'est un peu de mal. On va pouvoir farmer un petit coup tranquillement et on va surtout pouvoir trouver le dernier donjon pour un archer pour la fin. Là je le dis, il y a quoi pour faire le show ici? Ah non, ok. Voilà, on se laisse aller. Voilà, bon, maîtrise d'équipement, XP, les trucs habituels, j'ai envie de dire. Bon, on va quand même se diriger vers le coffre à gauche ici. On ne sait jamais. Eh ouais, quand même, vous avez vu 6250 gal. Et surtout un cobra qui est tombé sur la gueule. Allez, c'est parti. On va arrêter de voler. Voilà, Bob Artemis qui fait partie. Il faut parler à elle. Voilà. Allez, Rose, j'aime les deux. Merci. Bon. 165 XP, 650 gald. Nouvelle action de fin de combat. D'accord. On va peut-être éviter. Oh punaise. Bon, j'ai rien dit. Allez. Ah, je peux pas me prendre là. Ah, le pire c'est que je pourrais. Ah bah voilà. Merci, Layla. Maîtrise équipement. Bon. En face, là-bas. Il y a un rocher, c'est pas grave, on va le péter. Voilà, ouf. Je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Là aussi, il y a un rocher, tiens, concours. Un coffre. Alors, Chapka. Un chapeau tout doux, souvent appelé par erreur Chapska. Mais ce n'est pas du tout le même genre de chapeau. Ok. Hop là. L'esquive à la Messi, hop.
j'avais dit. J'avais dit que j'allais au sud, mais finalement, quand je vois le nord, il y a un point de sauvegarde et il y a l'air d'avoir quelque chose. Bon, les trois Arthés, évidemment, pas besoin de vous réexpliquer ça. Pas besoin de le réexpliquer en long en large, vous le savez. Alors, ici, c'est quoi ? Ruines de Ganglen, propriété impériale. En raison d'accidents survenus dans les ruines, l'entrée est interdite. Les voleurs seront punis. Rollens, d'accord. On est déjà sur l'empire de Rollens. Ok, pourquoi pas. Eh bien, rentrons dans ces ruines de Ganglen en espérant que c'est bien notre donjon où on va trouver le pouvoir spirituel, mais j'ai pas l'impression. On va pas se battre contre tout le monde, on va éviter de perdre trop de temps. Alors, par où pourrais-je aller ? Ok. Par là, et j'ai l'impression que c'est pas un donjon qui va me mener quelque part, vous voyez. C'est un donjon qui va me mener nulle part. Ouais, ok, bon. Je vous propose. Ah, d'accord. On va faire ça. On va quand même continuer et on va voir le prochain étage. On ne sait jamais sur un malentendu. Hein. C'est tout à fait mon genre d'abandonner si vite alors que je suis dedans. Bon, les serpents, ils veulent me faire la peau. Casse-toi, Trouser. Pas besoin de toi. Alors, on va descendre. Voilà. Ça m'a l'air un bête donjon. Alors, on va remonter et on va changer de donjon. J'ai pas envie de perdre 15 heures là-dessus. Sachant, comme la fois passée où je me suis acharné pour essayer de comprendre comment monter ou descendre. Enfin, comment progresser en tout cas. Ouais. L'autre, il me lâche pas. Il est amoureux, je crois. Et finalement, je me suis rendu compte à la fin du donjon, donc, bah, que c'était pas le bon. Et je pense qu'ici, vu l'architecture et le style de construction, ça doit être la même, comme on dit. Donc autant pas s'attarder, tu vous savez. Je vais vous éviter beaucoup une cruelle désillusion. Ah, c'est à moi. Alors on va remonter ici. Et on va aller voir donc l'autre. Donjon. Où est-ce qu'il y avait des PNJ donc? PNJ, la vie. Parce qu'il y a de la vie. Là où est-ce qu'il y a de la vie? Oh allez. Alors. Parce que là, tout se passe bien. Et toi? Alors au nord, ruine de Ganglen et ruine de la tour de Guenièvre. Tiens, tiens. Et donc on va aller à la ruine de la tour de Guenièvre. Et comme, à nouveau, c'est une référence à la mythologie arthurienne, il y a des chances que ça soit évidemment par là qu'il faille aller. Il y a deux gardes. Oh. Ouais. Et tout ce qui... Oh, ils vont me lâcher, c'est cool. Non ? Je vois pas ? S'il te plaît? Allez, vas-y, s'il te plaît. Bon. Hop. Il y a un moment, il faut tergiverser. Alors, le feu. Je suis le feu, je suis le feu. Et tu es mort. Ouais, il y a un moment, je vais être gentil. Mais je vais pas faire tout le stage avec des serpents monstres. Je vais le tuer.
Ah, y'a pas moi. Oh là là. La peau. Voilà. Bon, 150 XP et presque 600 galbes. J'ai cru voir en rapidité. Écraser ces données. Oui. Alors. On va se diriger vers cette fameuse suite. Je sais pas si je vais. Non, je vais pas parler aux soldats de Rollins. On ne sait jamais, imaginer. Et ben voilà. Et ben voilà, sanctuaire du vent. C'est quand même pas difficile. On y est. Nous y sommes. Wow. Oh. Check out how high that tower goes. It's quite old, even for a ruin. I'd wager it's from before the era of Asgard. Figures. This is where the Trial of Wind is located. The wind definitely feels different here. Yeah. Huh? That's a person! Lukheim Yerlin! Don't let your guard down. Something's coming. Huh? Doolahan, a headless warrior who brings death. And he's not alone. That. Safeed! Kill again, are you? Naturally. Didn't I tell you? My way is to put the Hellions back in hell. What was that? Now get out of my way. I'm not moving. I won't let you do it! Saray, the Hellion! Oula, quel drôle de combat. Encore une fois, elle tombe sur Zavid. Ouais, et le Hellion il va se casser là. Hein. Ça se dit rien pendant que vous faites votre petit. Voilà, bien joué, GG. Introduce me to your pretty young lady friends and maybe I'll tell you. Don't screw with me. Well, well, Mr. Shepard. Looks like you've had a nice influx of eye candy. Your pure and virtuous act even charmed our feisty Edna. I'll make your eye into candy. This guy's a seraph? You certainly haven't changed. If that's the case, then you know what I'm about to do next. Don't you, Edna? Oula. Wait, what? You're going to fight us? What's the point? I don't need you lot butting in every single time. I don't waste my bullets. Time for Professor Zavid to give you a lesson in ass-whooping. We can quell the Hellions without you having to kill them! Please, listen! That ain't the point, Saray. If someone gets in the way of me doing my thing... This to solve the problem. Whoa. That's whoa, how whoa, I roll. Whoa. Ok, d'accord, ça sent le combat plané. No, on fait vite, allez c'est parti. Par contre j'aime pas du tout. Alors, il n'y a aucune faiblesse, évidemment. Il n'y a que 6000
PV. Que j'ai un petit peu peur de dire cette phrase, mais ouais. Il n'y a plus de 6000 PV. Alors attendez voir quand il va attaquer, vous allez voir. On va être servi. Does it come from that thing he was using earlier? Still no clue, huh? Figures. C'est là, voilà. C'est le genre d'attaque là qui va faire ultra mal. Rose, elle s'en souvient. Oh putain, elle est morte. Bon, vas-y, Rose. Ah, ok. Bon, c'est un petit combat déjà terminé, je ne sais pas pourquoi. Je crois pas que c'est déjà terminé, tu vois. Avec lui, comme il disait, on ne sait jamais. Ah, ouais, bien sûr. Si vous croyez que vous allez l'avoir aussi facilement. Sheesh, settle down. I don't plan on wasting any more energy. Hey, didn't you have a Hellion you wanted to kill? If you guys can't quell it, then yeah. Thanks. Wait, how are you able to kill Hellions without the help of the Armatus? Uh-oh. Hey, you became Lila's sublord, right? Shouldn't that make it so you don't have to kill anyone? Making him disappear should be plenty for you. I don't need your lectures. Whoa, easy. Eh ben, écoutez, si on va voir les deux gaillards dans la même équipe, ça risque quand même d'être assez tendu. Ah ouais, je veux le coup. Of my regular self. Zavid, what are you? Can we talk about this some other time, your shepherdness? If we do it now, I suspect we'll just wind up locking horns again. Ah, j'ai cru qu'elle allait devenir When are we ever going to have a chance to talk? I don't think I'll ever get that guy. He's a pretty complicated guy, all right. But I don't think I quite hate him. He's certainly fascinating. But hey, Dezel, what were you so mad about? Don't know. Oh, come on! Don't be like that. Tell me. Ce serait pas son frère? Cut it out. Non. Bon. All on right. Jamais. Let's do what we came voilà. Here to do. Ouais. Non. Yeah. I'm definitely et faisons pourquoi nous sommes venus, ouais, parce que sinon. That ran up the tower. Let's get climbing. Si on n'a pas fini, hein, ça va nous prendre, à mon avis, énormément de temps pour gravir cette tour. Alors que veux. Que voulais-tu toi? I'm alive? Then I'm not even worthy to be a sacrifice to the Earth Spirits. Not even worthy of their salvation. This guy threw himself off? There's a tradition of human sacrifice around here. The tower must be a convenient spot for it. Ridiculous. What a twisted religion. There's no meaning in self-destruction. The Seraphim do not wish for such things. But I'm absolutely positive that I saw the messenger of the gods. I knew then with great certainty that I was being summoned. You saw it? In rare cases, extreme spiritual experiences can open one's eyes to the world. Looks like his are closed back up, though. What you saw brings only disaster. To humans and Seraphim alike. Right. If we hadn't saved you, never mind salvation, you would have given strength to a great evil. Who are you? I'm Saray. Say hello to the shepherd and his posse. Hey, thanks to us, you didn't go splat even a little bit. What more proof do you need? I think he's still in shock. Let's just leave him alone. He's not related to our goal here. So what's the plan? Really?
Bah oui, je pense qu'on va faire ça. Ça doit être une des meilleures solutions hein, pour le montrer qu'on est le berger. Ah ouais, non, ça va lui faire peur. Il va pas comprendre. Ça va l'effrayer, bah ouais. Je suis bête. J'aurais dû tracer ma route en fait. Ah ouais, j'ai été bête. Attendez deux secondes parce que j'ai mon lapin qui fout le bordel encore. Let's go. The Roland's Frontier Patrol is just a stone's throw from here. They can guide people back to town. Why not take them up on it? Bon. Et ben voilà. On continue notre route. On a... là-bas, un événement. On a une sauvegarde ici. Et... une petite scène. Zavid sure is hard to grasp. Yeah, he's a real joker for a seraph. It's nearly impossible to read his words or actions. Lila, tell us what you know about him. I don't know about that. Zavid, the Hellion Hunter. Quite the hot topic lately. His purpose seems to be fighting the Hellions. But who really knows? Edna, you knew him, didn't you? Kinda. He comes by Rayfalk every once in a while. Not sure why, though. So in the end, we only know that he's still a mysterious seraph. By the way, Dazzle, you and Zavid have a really similar fighting style. I wonder if that's some sort of clue as to... The hell should I know? My skills are what I've honed for myself. That's all. Okay. Damn. Why does he get to me like that? Et on va sauver. Moi, j'ai comme l'impression que Dazzle et l'autre Hurluberlu là qu'on a croisé tout à l'heure, ils sont du même sang ou quelque chose dans le genre. Je sais pas. Je pense que c'est vers là qu'on va se diriger en tout cas. Bon, on verra bien. De toute façon, pour le moment, l'énigme est toujours complète. On peut tergiverser dans tous les sens et triturer l'esprit. Ah. On va continuer par ici. Alors. Not a problem for us. On s'est pas monté. But it's so high up. If we got up there and then got stuck, getting back down would be even worse. I'll say. Mais non. And if that Hellion were to attack us on those skinny steps with no room to maneuver. You just want to see the towers inside, you big ruins nerd. Let's go through the entrance like normal folk. Ouais, passer par l'entrée, c'est bien aussi. Mais je vais d'abord prendre la plante ici, la lavande rouge, et le coffre à nos bancs. Tiens, 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 je vais regarder à nos du banc. Anti-arrêt 2. Bon. Tiens. Ok. Père. Pas mal. Ah, et l'avantage, c'est qu'on a de quoi faire des fusions, en tout cas. Et on a 9200... bah, 9300 gold. Ce qui nous permettrait, pour la prochaine fois, de tout simplement pouvoir faire des fusions avec nos anneaux. Ce serait déjà une bonne chose. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à toujours fusionner les armes en premier. Ce qui est peut-être pas la meilleure des choses. On va aller voir le niveau des... des castagnes. C'est pas du tout. Je pense qu'ils doivent être de mon niveau. Je pense que je dois être à peu près ce niveau-là, non ? C'est bon, ça va faire de l'esprit. Oui, allez. Et son faiblesse à la lumière. Allez. Voilà. J'ai du raccourci. Allez hop, voilà. Alors 928 gold et 268 d'XP. Ce qui est relativement sympa pour des ennemis de ce niveau là, enfin de cette difficulté là. Ah, là on aime. Oh, d'accord. J'ai cru que c'était une statue. Finalement ça ne l'est pas. Bon, on va les attaquer, gargouille. Faiblesse au feu. Et... but its attacks are real deal. Allez, vas-y. Wow,
C'est eux qui font ça. C'est moi qui fais ça. Bon, on va les cramer vite fait parce que là, on ne perd pas la tournure. Événement. Démon et les 32. Allez, vas-y. On va terminer ça. Et voilà, 204 XP, 720 de gagne. Ok, bon, là, maintenant, on est dans le... J'ai envie de dire dans la pièce principale. Hop, on va se téléporter pour passer de l'autre côté. What an odd ruin. Tiens, tiens. Definitely feels like the place for a trial. On a un sigle quelque part. This is supposed to be a trial. Ok. C'est des ascenseurs tout bêtement. Allez, sommet du sanctuaire. Ok. Je pense qu'il va falloir trouver comment monter en fait. Tout simplement. Ça va être la. Le plus gros de l'énigme, par contre, celui-là. J'en ai un peu peur, je vous avoue. Quand je vois le castar, j'ai pas trop envie d'aller fight. Bon, alors, ok. Le concept, il va être là. C'est de chaque fois trouver son chemin afin de progresser dans les tâches proprement. Si on pourrait mettre une sauvegarde, ça serait cool. Peut-être pas tout de suite, hein. Ça, j'en demande beaucoup. Tout de suite, mais... Sauvegarde, ça ferait pas de mal au cas où il y a un petit problème. Et c'est difficile, donc on va y aller en physique. Allez, go. Non. Go. Lol. Je vais pas faire ça. Allez, certains talents. Voilà, c'est tout en plus de choses qui arrivent. Total. Mais de personnes qui veulent la faire. Attends. Ah, c'est l'autre, ça l'a pas fait. Je l'aime bien. Alors, 201 SP, 690 Gald. Et du farm. Là-bas. Les étages. Exactement. Mix that with the tradition of sacrifices. Et on va certainement se retrouver face à un boss. Even though not a soul really wants that for anyone. Mais pas. Faudra pas se leurrer, ça c'est sûr. Mais généralement dans les sanctuaires, il y a quand même un peu plus de difficultés que ça. C'est ce qui m'inquiète dans l'histoire. Il y a généralement une énigme ou quelque chose dans le genre là. C'est ça qui me tourne dans les sanctuaires. J'ai créé tout ça, j'ai fait de la facilité. Bon, j'ai eu un peu plus difficile à trouver l'emplacement. Ça, là. Mais derrière ça, après, une fois que je suis arrivé, même contre l'autre, pas Dyson, mais l'autre Séraphin, là. J'ai cru quand même que j'allais morfler ma race. Et malgré tout, ça s'est passé relativement vite. Et relativement bien. Alors c'est là que je comprends pas où ils veulent en venir. Tiens. What? Je sais pas. Pourquoi j'ai pas monté mon rang ici, pareil ici. Ouais. C'est pas grave, on va continuer. On va pas se protéger sur au moment. Ah, là, je pense qu'on on atteint la première difficulté. Bon. Elle est derrière. Ok. Donc là, on a quelque chose à activer, je pense. Ah. C'est pas cela. Je ne comprends pas ce sigle. Ah. Ok. Bon, il faut simplement faire le petit pouvoir que l'on puisse utiliser. Celui-ci. Vous voyez? Donc, on peut, en fait, quand on l'active à côté de la genre de girouette, ça active notre. Ça ouvre notre porte. Voilà. Ça active le truc et ça ouvre la porte. Donc, maintenant, regardons un peu ce qui s'offre à nous comme possibilité. Donc, ce n'est pas. Pas par là, mais il y a une girouette. Donc, j'en conclue qu'il va falloir quand même l'activer.
Alors on va le faire. Juste par acquis de conscience. Haha, c'était juste derrière. Allez, coquille. Oh oh. Oh oh. Non, non, je veux pas me battre contre toi. Eux, franchement, ils me font peur. Attends. C'est où alors? Ah, d'accord. La porte, elle est là. Ouais, c'est cool. Attendez. Parce que là, je crois. On va obtenir notre première. Oui, c'est bien ça. On va faire ça. Donc, techniquement, ça va ouvrir la porte. Ouais. Nous bloquer l'accès jusqu'à la fin. Attendez, là, je cherche normalement si ça fonctionne. Voilà. Ah, ça commence avec des énigmes. Bravo. Bon, des petites énigmes. It's the wind trial after all. Malgré tout. Voilà, on a ouvert ça, c'était la porte qu'on avait ouverte précédemment. Et la deuxième, bien évidemment, c'était celle qu'on avait ouverte grâce au tourniquet ici. À la girouette, je vais plus utiliser le mot girouette. C'est mieux quand même par rapport au vent, c'est correct. Alors, analysons. Prenons Anna et Lison, c'est la même chose aussi. Girouette ici. Ah, il y en a plusieurs. Ça commence à devenir sympathique. Donc, il va falloir ouvrir. Ah, il est là-bas, le. Bon, et je vais passer par ici parce que j'ai un petit doute sur le fait que ça soit quand même par ici. Plus facile en fait. Bah, voilà, normalement le téléporteur ou l'ascenseur est derrière. Ok, bon. Je crois que c'est raté. On va quand même aller voir. Où serait-il ? Bon, j'ai quand même des coffres. Hein. On va pas se plaindre. Et par contre, on va faire gaffe au combat qui pourrait survenir. Voilà, il est là. Alcoquine. Bon, on va ouvrir le coffre. Le protecteur. Pêche engelée. Oh là, le fait d'en avoir qu'une dans les mains, pas dans les poches, c'est pas très rassurant pour la suite. Moi, je vous l'avoue. Ça fait même limite un peu peur quand même. Bon, on va faire ça. On va aller là. Il est ici en fait le téléporteur. Tiens. Allez. Finalement, en fait, j'ai fait tout le tour et je me suis un peu cassé la tête. Au final, pour pas grand chose, j'ai envie de vous dire, bon, je vais activer ce machin par acquis de conscience. Ouais, il y a des fois, on sait pas trop à quoi ça sert. Bon, là, j'ai ouvert une porte, il y avait un coffre juste derrière. It's the wind trial. Et j'ouvre des portes, mais sans vraiment savoir ce que ça va faire. Il donne la chance quand même. J'ai dit. Un petit coffre. Serre du vide. Ok. Ça, c'est des boucles d'oreilles un peu plus puissantes, je pense. Là, il va falloir que j'ouvre cette porte-là, je crois. Grâce à celui-ci. Voilà. Et je devrais voir. Bon. J'ai l'impression qu'ils vont commencer à faire. Oh, il y a une porte hiverne. Ah, c'est celle que je redoute aussi. C'est un dragon. Et faiblesse. Ok, c'est small. Je veux du contact. Je veux du contact, on va t'en donner. Et. Voilà. Allez, go fragile. Go. Bon, j'aurais aimé que ça se passe un peu plus vite. Et on va pas chuter à l'autre. Voilà, 224 XP. Alors, j'ai un peu perdu le chemin. Je crois que ça doit être ici. Ouais. Bon, et c'est à droite, certainement. Non. Ah, le voici. À nouveau, je pense que j'étais parti. Dans plus compliqué que ça ne l'était.
What? Ah. Alors là, je crois que c'est en bas que ça se passe. Comment et pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai un petit doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a un point. Descends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tenter le truc. Je vais activer ça. Ça va fermer cette porte. Voilà. Je pense que c'est une porte qui doit être fermée ici et qui va ouvrir en haut. Enfin, je l'espère en tout cas. Vous voyez, je vous parlais justement qu'il n'y avait pas de difficultés conséquentes et nous y sommes malheureusement à mon grand dam. Bon. Il semblerait. Et pour moi, ça me semble logique. Si la porte est fermée ici, elle va être ouverte en dessous. Parce que c'est une seule et unique porte. Yes, donc c'est bien ça. Ah, il ah ouais, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à faire jouer avec les portes sur plusieurs étages, ce qui va être sympathique, ou pas. Pour moi, en tout cas, ça va pas l'être. Alors, une épée courte, catalyseur, les artères. Pour améliorer les artères. Là, on va monter. On va pas faire de vieux sauts ici, parce que, étant donné qu'il y avait quand même un ennemi à nos côtés. Et là, ok. La sortie, elle est ici. Mais... on va être bloqué, donc il va falloir redescendre pour faire descendre une porte, pour fermer une porte, celle-ci en fait. Là, ok, bon, ça va être assez prise de tête ici parce que, ah, à moins que ce soit celle-ci, pas ici. Je vais être un peu perdu, là, je vous l'avoue. Pour un bête coffre, mais néanmoins, si c'était un bête coffre, qu'est-ce que c'est? J'avoue, un tantinet perdu. Ça, c'était mon début. Ça, je pense. Monter, non, c'est monter aussi, tiens. Allez, viens. Voilà. Je pense ne pas avoir réglé le problème de ma porte. Donc. Je pense. Hein. Non, évidemment. On va quand même passer ici. Par action. Voilà. Une porte qui arrive. Oh, ça va être sympathique. Oh, ça va être sympathique. On va tourner en rond. Et puis directement. Bon. Donc j'arrive à désactiver cette porte, enfin ouvrir cette porte ici. Donc je dois faire descendre cette porte ici. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'arrive plus à me souvenir. Et c'est là que ça devient dangereux. Bon. Eh bien, soit cherchons. Et là, je peux monter aussi? Non, je peux descendre. Ok. Ouais, c'est juste parce que ça ici c'était fermé. Donc, ah là ça commence à fuminer dans mon cerveau. Est-ce que. Ah, je vais devoir activer des choses. Et m'en souvenir, ça va être compliqué. Activer, ça peut pas être difficile. M'en souvenir, par contre, oh là là. On va activer celle-ci, on verra. Avec un peu de chance. Ah, Wendy. Salut Wendy.
Wendy is a powerful Hellion with strong wind monsters. What is up with all these friggin' wind monsters? Other than its arts, it can produce tornadoes. Be careful. Wendy n'aime pas les fous. Allez, on va arrêter de rigoler et on va. On va aller fighter tout ça. Allez, on va. Non, je peux pas. Bon, je devrais. Comme si je lance un Arte. Comme ça, on peut. Débarrasser. Voilà, on va pas les choses. Dure trop longtemps. Bon, derrière ça, on a quand même une XP de Gald. À part sur la touche. Alors. Si vous comprenez quelque chose, dites-le moi, parce que, waouh, à mon avis qu'on va devoir... Mais je vais être bloqué là, non. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, bon, ça va certainement devoir se jouer ici. Oh les gamins. Ok, porte fermée. Et, ouais, c'est bien ça. La sauvegarde est ici. Bon, eh ben écoutez, on va activer un peu tout ce qui bouge. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que je fais ? Alors, le plus marrant, c'est que je vois en fait les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, mais je suis incapable de les associer à leur emplacement initial. Ah. Là, il y a l'air d'avoir un peu de bruit. Alors, je vais les pommes remettre à sa place. Et on va faire attention à la demoiselle, à la succube derrière. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Ah, on parie que ça va être... la porte de l'étage en dessous. Où est-ce que c'est? Ok, de toute façon, il n'y a pas... Attends, j'ai merci, il y a 14h, c'est par... c'est par ici, pour descendre. Voilà. Et donc j'espère... là-bas. Là, ça c'est pour descendre. Non, c'est pour monter. Ben là, si je remonte, j'ai rien fait ici. D'accord. Donc, ok. J'ai quand même réussi. Quel exploit, magnifique. Et on va sauvegarder parce que là, je commence à perdre légèrement mes neurones. Et on va pouvoir aller à la salle, donc à la salle des épreuves, on va dire ça comme ça, ou la salle du boss. Simplement.